Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi, on est mardi je crois, oui. On est mardi 15 juin, il est 2021 et il est 15, il est 12h51. 12h51. Donc, cette petite vidéo pour... ouverture de courrier déjà, et après on enchaînera sur le DP Blanche-Neige et les sept nains qu'on avait choisi dans le défi là, choisir une toile. Voilà, j'en ai commencé un peu hier soir. J'ai pas vu si la vidéo était j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié dans mes images. Oui, donc j'ai la vidéo à mettre. Voilà. Donc voilà, donc on va faire l'ouverture de courrier. Voilà, donc là devant c'est mon adresse. Voilà, et derrière il n'y a pas l'envoi, mais j'ai déjà l'adresse de la personne. Et du coup, je sais qui c'est parce qu'il y a son prénom. Alors, je ne vais pas l'ouvrir dans ce sens-là. Je vais l'ouvrir. Alors, je vous baisse sur mes mains pour le moment. Voilà. Parce qu'avec ma main, je peux rien faire, hein, comme d'hab. Hein. J'ouvre un petit peu. C'est juste pour voir où il faut que je coupe, parce que je ne voudrais pas couper la lettre. C'est un papier bulle, oui d'accord. J'ai des tournements de tête là depuis hier. Je pense que c'est la chaleur. Merci, merci, merci à la personne qui m'a envoyé le courrier. Merci ma grande, merci ma belle. Alors là, j'ai la toute petite carte qui est très très mignonne comme tout, et il y a un cadeau en plus. Bon, les filles, alors j'ai une petite carte Bellowed avec des décorations. Ça a été fait à la main, c'est du scrap. Voilà, donc voilà une jolie carte. Ça va me donner une idée pour faire des cartes de scrap. Voilà une jolie petite carte. Elle a des petites allées pailletées dessus. Vous voyez, ici, il y a les petits motifs sont pailletés. Et derrière, c'est des petits cœurs. Voilà, des petits cœurs, ils sont pailletés aussi. Elle est très, très jolie. Elle a mis des petits diamants ici, des diamants spéciaux. Elle m'a collé un petit... une petite coccinelle. Voilà, et là elle m'a mis des petits diamants. Non, c'est ma minette. Donc cette personne qui m'a envoyé ce petit courrier, je savais qu'elle devait me l'envoyer parce qu'elle m'a demandé si je l'avais reçu. Je l'ai reçu qu'aujourd'hui. En plus, la factrice depuis, enfin la factrice, ça doit pas être la factrice habituelle, parce que quand c'est elle, elle passe pas avant 13h30, et là c'est entre 11h et midi que les facteurs y passent. Là, il est passé, il n'était même pas midi. Et dedans, je vous montrerai, il n'y a rien de... Voilà, elle m'a mis des petits diamants. Voilà. Alors moi, quand j'essaye de faire des cartes, j'ose pas coller des diamants parce que j'ai peur que ça se décolle. Mais il va falloir que je me lance parce que, voilà, donc c'est un joli pont avec une coccinelle, un petit diamant, voilà, très très joli. Merci Rachel, parce que c'est Rachel Pandora qui me l'envoie. Coucou Micheline, cette petite carte pour te souhaiter un bon anniversaire, un petit cadeau vient avec cette carte. Bisous Rachel. Donc voici le petit cadeau qu'elle m'a mis, un joli petit crayon.
un joli petit crayon avec un diamant dessus. Il est magnifique. Il est très léger. Alors, je pense que ça doit être un stylet. Voilà, c'est un joli stylet pour le diamant painting. Voilà. Il est trop beau. Il est très joli. Merci, merci, merci. Un cadeau de plus. Donc, ça me fait deux stylets supplémentaires. Merci pour la petite carte. Merci d'avoir pensé à moi. Merci pour le petit cadeau, Rachel. Va falloir que je m'affole, moi, pour vous envoyer vos colis. Parce que c'est toujours vous qui me... Que ce soit Rachel, Delphine, Margaret qui m'avait envoyé des petites cartes. C'est toujours ces trois personnes-là qui m'envoient du courrier ou qui m'envoient un petit cadeau. Elles ne demandent rien en échange, mais moi, j'aime pas que ça soit toujours du même, dans le même sens. Voilà, donc je vais remettre la petite carte dans la grande enveloppe. Voilà, donc là, il y a Delphine qui doit m'envoyer un autre colis, mais elle n'a pas trouvé de carton, donc... Voilà, donc la petite lettre, elle va aller dans la boîte avec les autres. Sauf que je les ai envoyés, j'avais fait une enveloppe. Je ne l'ai pas coupée droite, hein, évidemment. Puis dedans, j'avais mis une petite carte. Il y a juste à la décorer. Donc ça, il faut que je le fasse. Et puis ça, c'est une carte que j'avais adressée à une de mes abonnées. Mais je ne l'ai pas envoyée parce que je n'avais pas de temps. Et puis du coup... Et ben, je vais m'en servir, je l'enverrai à une de mes petites filles, mais je changerai ce que j'ai écrit dedans. Donc voilà, donc comme c'est une grande enveloppe, j'espère qu'elle va rentrer. Oui, elle rentre. Vous voyez, donc là, je marque. Ouais. Ça, c'est toutes les enveloppes de toutes les petits, de mes abonnés, celles qui m'envoient des courriers. Donc pour l'instant, il n'y a que Delphine, Rachel, Margaret qui m'envoient des courriers. Voilà, donc celle-ci va aller dessus. Non, tu restes là, peut-être. Je mets les grandes dessous. Ah non, ça ne rentre pas. Je vais la mettre debout. Je vais être obligée de la plier un tout petit peu. Alors. Comme ça. Je vais plier vers le bas parce que c'est pas grave. Je vais la plier un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Et je vais la mettre comme ça dessous et je vais mettre les autres par-dessus. Comme ça, sera aplati. Après, j'aurais pu la mettre debout hein, carrément. Je vais les mettre debout. Faut que je me trouve une grande boîte. Faut que je regarde là. Alors attendez, ce que je vais faire. Ça c'est les DP que c'est les boîtes de. C'est tous les diamants des DP en cours. Bazar sur mon bureau. Ça c'est la petite pochette, je l'avais pas vernie, je pense pas, parce que j'ai des diamants qui se sont sauvés. Donc faut que je retrouve le sachet de diamants et puis que je les recolle là où il m'en manque. Et puis j'ai foutu la poussière partout sur mon nez. Je suis en blanc, donc ça se salit vite. Pas grave, j'en ai un autre pantacourt blanc. Je vais y mettre toutes les boîtes des DP en cours dedans. Voyez-moi, fille. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Celle-ci. Je peux la mettre là. Non, elle ne rentre pas, évidemment. Celle-ci. Elle ne rentre pas non plus. Donc, c'est pas grave. On va la mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je fais attention pour la faire tomber. Celle-ci, elle va venir par là. Mais là, après, j'ai plus de place pour mettre les diamants. Alors, on va faire ça comme ça. Ça,
ça, c'est tous les sachets de diamants d'étoiles en cours que je n'ai pas pu rentrer dans les boîtes. Ça, c'est le résumé Blanche-Neige. Alors, et vos banjos. Ça, c'était... ça, c'est tous les diamants que je n'ai pas encore classés. Hein. C'est tous mes diamants carrés que je dois classer dans mes mallettes. C'est ce qui correspond à mes toiles diamants carrés qui ne sont pas ma jument et mon poulain, qui est en cours. Les fleurs et le papillon bleu. Et puis après, je ne sais plus lesquels. La femme et le loup. Les mésanges. La fée papillon et la jument et son poulain. Donc ça, ce sont tous les diamants des toiles qui ne sont pas encore commencés et en cours. Donc ça, je le mettrai dessus. Ça, est-ce que ça rentre dans son plan? Non, j'en fais un petit peu. Ça, c'est les diamants de la Kokéchi que j'avais préparé, vous savez, pour le défi choisir une toile. Donc, ben, je les laisse là et puis je la ferai comme ça. Ça, c'est pour le Hibou Banjo. J'ai deux couleurs qui restent en réserve, qui ne rentraient pas dans la boîte. Donc, lui, c'est pareil, je le plie. Ça, c'est la Blanche-Neige. Je sais qu'il est là. Donc là, c'est pareil, je vais plier sur un côté parce que ça ne rentre pas. Parce que là, je ne peux pas le plier. Donc, ça, je vais mettre là. Et ça, je vais mettre comme ça. Voilà. Je regarde où est ma minette, elle est devant la porte. Parce que des fois, je recule, ils sont derrière les roues du fauteuil. Et ça, je vais le mettre là-bas. Voilà. Et je vais prendre cette boîte-là pour mettre le courrier. Comme ça, mes grandes enveloppes, j'aurai pas besoin. Voilà, je vais tout tomber. Je vais les mettre par grandeur, les enveloppes. Ça, c'est le petit stylet qu'elle m'a offert. Donc là, c'est la grande. Ben, la non plus, elle rentre pas. C'est quoi ce bazar? Je la plie un petit peu. Quelle idée. Voilà. Je l'ai plié un petit peu en bas. Comme ça, elle rentre. Ensuite, dans les grandes enveloppes, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai ceux-là qui sont de la même taille. Ah oui, Angélique aussi qui m'avait envoyé du courrier. Donc, alors, ça c'est Delphine, ça c'est Rachel. Voilà. Donc la grande là c'est Rachel, ça c'est Rachel. Ça c'est encore Rachel. Ça c'est Angélique, ça c'est Angélique. D'ailleurs, il y a un petit cadeau qu'elle m'avait mis. Angélique, il est toujours dedans. Ça c'est Margaret, ça c'est Rachel. Alors ça c'était qui? Rachel, je crois. Meilleur vœu. C'est Rachel. Et ça, c'est Rachel. Voilà. Ça, c'est tous les courriers de Rachel. Voilà. Là, j'ai deux courriers d'Angélique. Parce que c'est elle qui m'avait écrit en premier. Ça, c'est Margaret. Ça, c'était Margaret aussi. Et je la mets en deuxième. Après, c'est Rachel. Et après, c'est Delphine. Voilà. Deux pour eux. Donc, Delphine, j'en mets plus. Voilà. Ça, je le mets dedans parce que c'est ce que je dois faire. Je pense à les faire. Je vais m'y mettre par là. Oh, dis-moi.
mon fils. Là, je vais y mettre le couvercle parce que j'ai le couvercle. Vous voyez ma minette sur le dossier de mon fauteuil, hein, la petite casse-pied. Voilà. Et ça va sous mon bureau. Voilà, comme ça, c'est à portée de la main. Ça, c'est à faire. Je le mets là. Voilà. Donc, voilà pour le petit courrier de Rachel. Voilà. Hop. Alors, je vais pouvoir le marquer dans mon agenda. Aujourd'hui, on est le 15. Alors, reçu, courrier de Rachel. C'est quand j'ai reçu le colis de... Oui, je l'ai marqué parce que des fois je marque pas aussitôt et puis quand vous m'envoyez du courrier, les filles, je le marque comme ça je sais à quelle date j'ai reçu le courrier par rapport à la date que vous l'avez posté. Et quand c'est les colis, c'est pareil, je marque tout dans mon agenda. Voilà, donc faut que je le marque sur l'autre. Je vais le marquer ici. Est-ce que j'avais marqué le colis de Delphine? Donc je crois pas l'avoir marqué. Donc faut que je le marque. Parce que je marque sur les deux agendas. Hein. De toute façon. Alors, aujourd'hui 15, j'ai reçu le courrier de Rachel. Anniversaire, j'ai pas la place de l'écrire en entier, c'est pas grave. Donc là, je vais marquer anime. Là, j'ai pas. Je serais. Bon, en plus, c'était fait, c'est un boudin là. Faut que j'écrive un petit peu moins court. Sinon, je vais pas avoir la place d'écrire tout. Alors, je vais écrire plus petit. Reçu, courrier, anniversaire, de Rachel. Je vais faire pareil. Quand vous avez une gomme qui est noire au bout, vous la passez sur une truc en bois. Moi, je le fais en dessous de mon bureau. Je fais comme si je gommais comme si je gommais quelque chose. Et ça enlève tout le noir de votre gomme. Donc faites sur du bois ou. En dessous le bureau, ça se voit pas, de toute façon. Puis après, ça se nettoie avec de lingette. Et ma gomme là elle est propre comparée à l'autre côté, regardez la différence. Alors là faut que je gomme là, que je marque sur la ligne en dessous, faut que je marque qu'on a été à Carrefour pour les photos d'identité de mon fils, du coup on a été obligé de retirer des sous et puis après payer à la caisse parce qu'il lui fallait de la monnaie. Alors retrait. €20. Photo.
dinde. Et on a fait course Carrefour. Parce qu'on a tout fait Carrefour. Alors, reçu. Courrier. Ah, Ruby, arrête là! Les chiens, c'est là. Reçu courrier de Rachel. Anniversaire. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû mettre l'un sur celui. Ouais, mademoiselle, surpris là. Alors, reçu. Si je fais des fautes, je vais pas y arriver ce matin, les filles. Donc, un grand merci à Rachel, grand merci à Delphine et un grand merci à toutes celles qui m'ont souhaité mon anniversaire. Alors, reçu. Courrier. De Rachel. Et entre parenthèses, anniversaire. J'ai pas de place. Anniversaire. Alors. On fera comme ça. Voilà. Alors, course Carrefour. Retrait. Et photo Dylan. C'est pour son permis de conduire. Voilà. Donc ça, c'est marqué ici. Dieu ma fille. J'ai pas mal de choses à mettre à jour. Voilà. Donc celui-là, il va dans mon sac. Là. Voilà, donc là on va partir sur le DP. Donc je vais vous tourner, on va tester le stylet de Rachel. Je me tourne, vous voyez ma fenêtre elle est ouverte là-bas. J'ai mis le séchoir pour que la pépette elle puisse voir dehors. Il y a mon bazar. Hein. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai baissé le volet. Pas trop ouvrir non plus parce que moi j'ai un petit verre où je mets mes carrés de colle et puis mes stylets, ma pince, comme ça je mets ça là dans un coin puis je pense que j'ai besoin. On va finir le petit carré qu'on avait commencé. Donc là c'était la couleur numéro 37 99. Prenez mon fille. Ah bah oui, dès qu'elle voit un truc noir, elle, ça y est. Donc, attendez, faut que je baisse le volet, les filles, parce que tout le monde... Voilà. Parce que dès qu'il y a un peu de lumière au plafond, ça y est, elle saute dans tous les sens. Voilà. Donc, 37,99, c'est celui-ci, c'est du gris. Je vais pousser ma boîte par là. Ah, mais je ne l'ai pas branché. Ce sont des diamants ronds. Mon papier n'est pas collé bien droit. Je peux vous dire que ça colle. Voilà. Et là, il faut que je la mette droite ici. Oh, mais non.
va se mettre de travers. Hein. Ben, décidément, elle veut... C'est pas coupé droit leur papier là. Que vienne la mettre. Alors je vais la mettre comme ça. Je vais la remettre droite après. Ah, il n'est pas droit. Donc faut que je colle d'abord celui-ci. Non, il est pas droit. C'est pas coupé droit. Bon, c'est pas grave. On va pas s'embêter avec ça. J'ai réussi à le mettre à peu près droit. De toute façon, on va pas rester longtemps la feuille, donc. Pas grave. De toute façon, je vais le faire rapidement celui-là, parce que c'est le défi. Allez, hop. Bon, allez, voilà. Elle est où ? Elle est cachée sous la couverture. Je vais vous montrer. Elle peut pas voir ce qu'elle veut, alors elle va se cacher. Vous voyez, il y a mon canapé là. Vous voyez, il y a mon canapé. Vous voyez, ici, là, ça fait une boule. Hein, ma fille ? Elle est cachée juste là, dessous. Alors que je mets une couverture, justement, pour pas qu'ils mettent des poils sur la toile de mon canapé, mais bon. J'ai des brosses pour brosser, donc c'est pas grave. Donc, je vous remets là. Mon trépied pour mon téléphone, ma tablette. J'ai mis le support de mon anneau pour poser la tablette. C'est ce qu'il y avait sur mon anneau lumineux. Mais l'anneau lumineux, il est trop. Le pied est trop fin. Voilà. Donc, je vais pouvoir ouvrir un tout petit peu. Pour pouvoir voir ce que je fais. Parce qu'on a un petit peu de soleil, mais c'est limite. Hein, il fait bon là dehors. Alors, on va tester ce joli stylet. Il est très léger en plus. Ça me fatiguera moins la main. Il faut que j'y mette un petit peu de colle. Ceux-là, là, ici, les grands stylos, j'ai du mal à m'en servir. Moi, ce que je fais, je pique directement la pointe de mon stylet dedans. Ça me fait de la colle au bout du stylet. Et après, je prends mes diamants et je colle. Voilà. Si par exemple vous les avez achetés puis que vous n'arrivez pas à vous en servir, et bien vous prenez votre stylet, voilà, et vous piquez dans la mine. Voilà. Et vous ressortez. Alors, je ne sais pas si ça a passé là. Non, ça n'a pas marché. Mais avec les autres, ça marche. Donc. On va tester celui-ci.
Là, j'ai de la colle. Alors, on a dit qu'on faisait les baies. Il est très bien. Moi, je tremble un peu parce que, bon, voilà, j'ai bougé et puis. Il brille pas beaucoup mes diamants là. Je vais y faire juste le petit coin que j'ai besoin. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, en plus, si je vous mets trop loin. Il est très léger. Merci, merci, merci. Alors, celui-là que j'ai eu en cadeau de la part de Delphine, il est toujours dans la boîte. J'ai tout laissé dans la boîte. Donc ça, c'est la toile. Bah, de toute façon, j'ai marqué défi choisir une toile. Et puis, ben, j'ai marqué la date que je l'ai commencé et j'aurais plus qu'à marquer la date que je l'ai fini. Voilà. Donc, celle-ci, il y a eu 5 votes. Je vais manger un petit gâteau. J'avais dit que je voulais plus acheter de gâteau ni rien, mais bon, comme il fallait pas que je dépasse 6 euros, ben, ça a été limite. Là, je me suis pris une salade pour. Parce que mon fils, il mange pas avec moi là. Pendant les 2 semaines à venir, là, le midi, il mange pas avec moi, je suis toute seule. Donc, je me suis pris une salade pour demain midi. Faut que je fasse mes concombres. Et comme je disais dans le magasin avec lui, ben, je dis tout ce qui est rayon, chips, gâteau. Saucisson sec et tout ça, faut que j'évite. Mais ben, j'ai pris un paquet de gâteaux pour compléter. C'est des petits beurres avec une tablette de chocolat dessus. Je vérifie sur la boîte parce que. Ouais, c'est chocolat noir, j'ai pas pris chocolat au lait. Pour ça me disait quelque chose.
J'aime le chocolat noir, mais c'est écœurant. J'en ai tellement mangé quand j'étais gamine. J'ai pas fait attention. Parce que les gens, quand ils prennent un truc en rayon, ils ne veulent plus le remettre, mais ils ne le remettent pas à sa place. Évidemment, Fufu, il est sorti de tes cachettes. T'as chaud, mon bébé, hein? Ils se mettent par terre, les chats, ils ont chaud. Elle devrait pas avoir chaud, la fenêtre est fermée. Le volet, il est baissé, donc... Il n'y a que là que de ce côté, d'habitude, j'ouvre, mais là, je peux pas ouvrir parce que le séchoir, il est sur l'autre fenêtre. Puis mon fils, il a l'autre dans sa chambre, donc... Normalement, si je compte ma toile, les mésanges, le tout premier que j'ai fait, ça me fait au total 85 DP. Mais du coup, j'ai mis la feuille de route de ma première toile, les maisons, je l'ai mis à la fin du deuxième carnet, parce que pour l'instant, j'ai pas envie de la continuer, parce que j'y arrive pas. Et puis, peut-être, donc je la mettrai en dernier. Toute façon, ça m'étonnerait que je la finirais, donc c'est pas grave, hein. Alors, je suis retournée sur le site d'Irguette pour voir ma dernière commande que j'avais fait chez eux. Enfin, la seule que j'ai fait chez eux. Normalement, j'en ai fait plusieurs. J'ai dû en faire deux commandes chez d'Irguette. Mais j'en vois qu'une. Et je ne sais pas s'ils m'ont répondu parce que faut que je leur envoie un message pour qu'ils m'envoient le récapitulatif des commandes, quoi. Parce que. Donc là, les lots pour le concours, là, si l'autre me donne pas mes 30 euros de ma tablette, il faudra que j'attende le mois prochain, au mois de juillet, parce que j'ai Edith de l'atelier d'Edith qui me doit encore 35 euros. J'ai le monsieur qui m'a réparé mes tablettes, il peut rien faire, qui me doit, sur les 50 euros que je lui ai donné, qui me doit... Il y a des R ou pas là-dedans? Non? Donc ils me doivent encore 30 euros, mais ça rend pas bien vite, hein, franchement. Mais 30 euros, je les attends depuis le mois de janvier, faut pas exagérer, quoi. Ma fifille, elle a chaud, elle est couchée par terre. Je vais tester le stylet de Delphine aussi. Je vais sortir la boîte. Je vais mettre celui-là là, de côté. Et je vais sortir le stylet qui est dans la boîte ici. Hop. Avec les chats, c'est plus caché. Ah, puis en plus, elle est pas carrément dessus. Vous voyez, le cadeau de Delphine, il est là, la toile elle est là, les diamants tout est dedans. Je l'ai encore pas mise à plat, donc ça je vais enlever ça parce que voilà, c'était dedans. Je vais enlever les petits ustensiles qu'elle m'avait mis en plus. Et le petit stylet, il est caché quelque part. Voilà.
en objet diamant painting, j'ai encore deux petites pochettes. Deux petites pochettes et des cartes. Donc lui, je vais le mettre là. Là, on va mettre de la colle sur le petit stylet de Delphine. Les points ne sont pas comme sur les autres. Je pense que ça va être super. Allez, on teste le petit stylet de Delphine. Il est léger lui aussi. Je tremble les filles, hein, donc. Elles ont des petits reflets pailletés sur l'étoile. Pour l'instant, ces deux stylets-là, il n'y a rien à redire, hein. Ils sont magnifiques. Ils prennent bien les diamants. Au niveau de la pointe, c'est quand même mieux que ceux-là, hein. Ils sont déjà plus épais ici. Ils sont plus larges, ceux-là. Ici, ils sont plus larges que ceux-là. J'ai toujours mal au bout de mon doigt là. Ça a cicatrisé, mais j'ai quand même. C'est pas encore complètement fermé. Hein. Ça me fait mal là dessus. Mon chat qui m'a enfoncé sa griffe dans le doigt. Tout ça parce que je marchais pieds nus et que ça lui a pas plu. Donc là, il est avec son maître dans la chambre. Donc mon fils, demain on se lève tous les deux à la même heure parce que demain j'ai la distribution demain matin des Restos du Cœur. Donc on se lève, on prend le bus en même temps puisqu'on va au même endroit. Et par contre, lui il reste là-bas la journée. Et hier il me demandait les horaires de bus, mais moi il m'aurait précisé qu'il était à Évreux, ben, j'aurais mieux regardé. Moi je pensais qu'il prenait le bus à Verneuil et puis non. Donc il a été obligé de courir pour attraper son bus de 17h et quelque chose. Et il y en avait un à 18h30, mais comme je lui dis, c'est à 18h30, je lui dis, t'as bien fait pas le prendre parce qu'il s'arrête pas à Breteuil. Alors, j'en ai deux. Voilà. Donc là, on va essayer de tester les petits aimants que Delphine m'a envoyés. Il y en a deux. Il y a la petite colle aussi. Ça, je vais garder pour ranger des diamants dedans. Oh, dis mon fils! Je vais mettre ma poche là. Ici, je vais essayer de ranger un petit. Oh, Ruby, arrête! Ils sont trop larges. Là, il faut que je mette des tout petits, des petits sticks de colle. Je vais la mettre là. On testera la colle après. On va tester les petits diamants. Je vous ferai faire un. Je vous parlerai d'un truc. Il faudra que toutes mes abonnées le fassent. Ça s'adresse à toutes les abonnées.
pour celles qui veulent, hein. Celles qui veulent pas, bah tant pis, hein. Voilà, donc ces deux petits sacs qui vont me servir pour ranger mes petits bijoux dedans. Alors là, j'ai un petit aimant. On va voir si ça fonctionne. En tous les cas, il colle bien. Alors, je vais mettre mon petit aimant par là. Alors, il faut que je le décale un petit peu plus par là. Il est où? Donc, je descends un petit peu plus. Alors. Ah ben non, s'il se sauve. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ah ben, il veut pas passer. Pourquoi il se sauve, celui-là? Alors. Il est là. Voilà, celui-là, il est collé. Donc, on va le pousser par là. Voilà, celui-là, il tient. Voilà. On va tester celui-là. Celui-là, c'est pour... c'est une petite poubelle. Dis donc, mademoiselle Ruby, fige là. J'ai envoyé petite Ruby dans le couloir, elle est partie dans la chambre à mon fils. Et puis il y a bébé Mars qui voulait arriver, mais j'ai vite fermé parce que lui, il passe sa tête à travers les barres, les fils de... de mon séchoir. Je suis en train de dévisser, c'est ça que je fais. Alors... Oh, c'est impeccable, franchement c'est impeccable. Vous voyez, je peux le bouger après comme je veux. Bah, il s'est défait évidemment parce que j'ai pas été du bon côté. Ouais, c'est très pratique. Ouais, il est là, voilà. Voilà, mon petit chat. Et c'est trop beau les filles, merci. Donc, on a dit qu'on mettait de la colle sur celui-ci, ça y est, il y en a. Et on attrape les petits diamants et on vient les mettre ici. Voilà. Oui, donc je vous disais, je vais au Resto du Cœur demain matin. Donc on prend le bus ensemble avec mon fils. Par contre, moi à midi et demi, lui il finit qu'à 17h normalement, à 16h du moins. Donc moi je vais être obligée de rentrer toute seule et de me débrouiller pour porter mon sac. Donc je prendrai le caddie à roulettes et puis bah, s'il est trop lourd, je demanderai s'il y a du monde qui prend le bus avec moi, je demanderai ce qu'on m'aide pour le porter quoi.
va placer les noirs qu'on voit ici. On va faire les autres couleurs pour changer un petit peu. Enfin, c'est pas du noir, c'est du gris foncé. Voilà. Voilà, mes deux petits aimants. Je vais faire les couleurs en haut. Voilà, je mets mon petit cupcake. Celui-là, je m'en servirai après. Là sur, voilà, ça je vais le mettre de côté parce que là j'en ai retrouvé deux petites languettes là, deux canettes qui étaient dans un petit pot que je pensais plus. Quand j'ai fait le tri, je les ai retrouvées. Par contre, les autres, je sais, elles sont dans mon placard là où il y a la boîte où il y a mes perles. Hop. Je vais aller les mettre avec les autres, celle-ci. Donc pour cette couleur, c'est bon. Il y en a encore à mettre là. Alors on va les mettre ici. Donc moi, il faut que je prenne le bus à 7h comme mon fils. Et après, j'arrive là-bas, faut que j'attende jusqu'à 10h30. Donc j'attends sur le banc à côté des Restos du Cœur, pour que ça me permet de passer la première. Ils m'ont marqué 10h30. Comme ça, moi, si je passe à 10h30 pile, je vais enlever ça, j'ai chaud. Ça me permettra après de 10h30, donc le temps qui me sert, il sera 11h moins 25. Moi, après, il faut que j'attende jusqu'à 12h30. Donc, voilà pour cette couleur-là pour l'instant. 37,99. Alors, Delphine voulait que je veux que je lui envoie. Elle est intéressée par les petits plateaux plastiques comme ça, que ce soit les verres. Je lui mettrai tout ce que j'ai. Moi, j'ai mon grand. Et du coup, ben, j'enverrai tout ça en même temps. Hein. Je mettrai autre chose avec. Voilà. Comme je vais... J'enverrai tous les colis au mois de juillet. D'ici le mois de juillet, j'aurai le temps de recevoir... Alors, le petit bouchon, je vais le mettre là. Alors, là, c'est la couleur, c'est les E inversés, moi j'appelle ça les, c'est moitié E, moitié 8. Le 301, on ne sait pas cette couleur-là. Il est en haut. J'en ai d'autres 301, mais je ne sais pas si ça va correspondre... En diamant rond, je sais pas si ça va correspondre. Donc alors, j'en ai un ici, je le mets tout de suite. J'en ai un ici. Pour ça que maintenant quand je commande des toiles diamant painting, il y a la toile, le toolkit et puis les diamants. Et quand j'ai fait la toile, une fois que je l'ai finie, je remets les petits diamants dans leur sachet. Comme par hasard, comme par exemple, là j'ai les sachets du Blanche-Neige. J'ai gardé tous les sachets individuels de mes Blanche-Neige. Moi, là, il n'y avait pas les numéros DMC marqués, donc je les ai marqués. Et quand les DMC sont marqués sur la feuille, c'est écrit petit, donc sur la pochette,
C'est écrit petit, donc je les remarque moi au Sharpie. Voilà. Donc là, c'est les restes des couleurs de ma Blanche-Neige. Donc je remets les diamants une fois que j'ai fini ma toile. Je remets les diamants dans leur poche, dans leur petit sachet correspondant. Je remets tous mes sachets ici dans la petite poche et je mets ça dans une boîte. Donc comme ça, après, ça me permettra, quand j'aurai fini toutes mes toiles, de comparer, ben, déjà de commencer à comparer les diamants de mes toiles neuves. Mais après, ça, comme j'ai dit, si ça correspond à 100%, ben, je les mettrai dans les mêmes sachets. Si j'en ai plusieurs pareils et puis que ça ne rentre pas dans les petits containers, dans les petites bouteilles, et ben, ou dans des petits sachets zip de cette grandeur-là, ben, je mettrai dans des grands sachets comme ça. Voilà. C'est pour ça que je voudrais m'acheter la boîte, vous savez, où il y a les boîtes. C'est une boîte plate. Vous avez tout le monde. Soit vous avez la boîte avec que des petits compartiments, soit vous avez les petits et les moyens, soit vous avez tous les compartiments. Il y a les grandes boîtes qui sont grandes comme ça, il y a les moyennes, il y a les plus petites et encore plus petites. Et après, on peut les mettre les unes sur les autres. Donc, je vais peut-être m'acheter ça pour ranger tous mes diamants en réserve. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a des Z, la lettre Z. La lettre Z, c'est le 640. Il est là. C'est du kaki, du gris kaki, entre le gris et le vert kaki. Vous dire les couleurs, je pourrais pas vous les dire parce que j'en sais rien. Ça me gêne. Ici. Donc la toile des filles, je la ferai avec vous. J'en fais un petit peu tous les jours. J'ai mon Mickey Mini. Alors dessus, c'est Mickey Mini. J'ai vu ça, c'est Mickey Mini Noël. Bon, moi j'ai mis Mickey Mini coucher de soleil parce que on voit pas exactement ce que ça représente exactement au niveau du dessin. Parce qu'eux, ils donnent pas forcément les descriptions de leurs produits sur les toiles par rapport au dessin. C'est pas forcément le ça. Pas forcément rapport avec le dessin de la toile. Comme ça, je la fais avec vous. Celle-ci, bon, les autres aussi, je les fais avec vous, mais celle-ci, je la fais de A à Z. Donc là, hier, je vous ai fait une partie. On avait commencé, donc c'était la partie 1. Ça va être la partie 2. Donc, ou journée 1, journée 2. Donc c'est impeccable au niveau des petits stylets. Hein. Merci, merci à Rachel. Merci, merci à Delphine. Alors, j'en ai encore un ici. Il fait une chaleur, les filles. Hier, j'étais en sueur quand je suis rentrée de mon rendez-vous de chez la Sonde Sociale. Je voulais aller au parc, donc je suis allée jusqu'au parc et puis j'ai dit, ben oui, je vous en parle dans la précédente vidéo.
Je dis, oh bah oui, mais aller au parc, j'ai emmené mon tricot, mais j'ai pas pris de livre si j'ai envie de lire, et j'ai pas pris de livre de jeu si j'ai envie de faire un livre de jeu. Donc du coup, je me suis arrêtée à la papeterie, j'ai pris des livres de jeu, j'ai pris un livre de tricot que je vous ai mis en que je vous ai mis que je vais mettre en ligne tout à l'heure. Et là, j'ai une personne qui ferme ses volets, les deux volets se ferment en même temps. Et du coup, et ben, je m'étais, en sortant de chez la centre sociale, je suis allée au parc. Puis du parc, et ben, je suis revenue sur mes pas parce qu'il y a trois, on peut rentrer par trois côtés différents au parc. Il y a le côté qui donne, il y a l'entrée qui donne à côté de la poste, et après il y a celui-là qui donne côté de la salle des fêtes. Et après, dans le fond, il y en a un qui donne sur la route derrière. Voilà. Et du coup, et ben. J'ai passé par la sortie où il y a côté de la poste. Et puis je suis allée en ville jusqu'à la papeterie qui est à l'autre bout. Et puis je suis revenue au parc. Et puis j'ai dit, oh ben, du coup ça ne me plaisait pas. J'avais trop chaud. Je commençais d'avoir mal au ventre et puis à pas me sentir trop bien, là, d'avoir des débuts de tournement de tête. Alors j'ai dit, non, je rentre. Je rentre à la maison et puis je vais me mettre à l'ombre un petit peu. Puis après je ressortirai un peu plus tard quand il fera un peu moins chaud. Donc sur le coup de 5 heures, comme je savais que j'avais dit à mon fils qu'il avait un bus à 17h30 30 quelque chose, j'ai dit ben, je sortirai, j'irai m'asseoir sous le tilleul et puis après ben, je l'attendrai ici. Et puis du coup il est arrivé au bus de 17 il a pris le bus de 17h39, mais c'est celui-là qui partait d'Évreux pour venir sur Breteuil. Et moi, j'ai regardé les horaires du côté du bus qui partait de Verneuil pour venir sur Breteuil. Donc, il avait bien un bus à 18h30 qui partait d'Évreux, mais il ne s'arrêtait pas à Breteuil. Donc, bah, dès qu'il est arrivé, vu qu'il est passé du côté où il y avait le tilleul, bah, du coup, bah, je suis rentrée en même temps que lui, quoi. Bon, on fait quoi? On fait les pourcentages. Les pourcentages, c'est les 702. 702. Alors, j'en ai un ici. Alors, je vais reculer un petit peu mon papier parce que sinon, il n'est pas droit le papier là. Ça m'évitera de mettre ma main devant. Alors mon petit aimant ici, là, il va me servir à quelque chose. Je vais le mettre par là. Voilà, je vais l'ouvrir. Ah, je ne l'ai pas ouvert par contre. Hop. Ma petite tête de chat, je vais la mettre par là. Voilà. Et là, j'ai des petits déchets. Hop. C'est des petits diamants ronds. Mais ils sont pas plus gros qu'une pointe d'aiguille, quoi. Ils sont pas plus gros que la pointe du cure-dent, là. Donc, c'est un joli verre, franchement. Alors, je sais pas ce que ça va donner au niveau des yeux. Non, je n'ai pas pris mon diamant. Alors du coup, la toile, j'ai été voir sur la boutique Tin Me Art, mais les prix restent assez chers, comme je vous disais. Et Delphine m'a dit qu'elle, elle l'avait eu sur AliExpress. Donc j'ai été voir sur AliExpress, oui, mais bon, c'est pareil. Hein, après, c'est des. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des grandes toiles et on voit bien les détails des yeux au niveau des yeux des personnages parce que j'ai vu que j'ai regardé la vidéo de Hélène et le diamant painting. Et puis il y a une autre vidéo aussi que j'ai regardée et on voit bien les détails quoi. Ça reste cher, mais bon, c'est une toile de qualité. Donc bah, je dis pas que je m'en commanderai pas deux ou trois pour Noël.
sur ma prime de Noël, parce que la prime de Noël pour mon fils, ben lui, il touche pour lui. Donc lui, ben, quand, enfin, c'est moi qui touche tout, mais je lui remets sa part à lui, je lui mets sur son compte. Et il s'achète ce qu'il veut avec. Et moi, avec ma part, avec 114 euros de prime de Noël, et ben, je peux quand même m'acheter des belles toiles. Voilà. Donc des toiles de. Des toiles Tin Me Art, ou ne serait-ce que je sais plus quelle boutique. C'est des toiles ou c'est des. Voilà, ben, ces toiles-là, je les achèterai dans les périodes de Noël. Voilà, donc là, les petits A, les petits 702, on les a finis. Là, j'ai recollé des étiquettes, mais j'aimerais bien avoir, me trouver du Cura pour pouvoir décoller tout, nettoyer et enlever tout le reste de la colle et puis tout ce qui reste inscrit au niveau du crayon. Mais alors, on a des U. Des U, des G et des C. Alors. Les A, c'est 907, c'est ça? Non, 807, pardon. 807. Ben, je ne l'ai pas marqué. Ben, je n'ai pas marqué le 807. Alors, faut que je prenne ma loupe parce que vous voyez, les chiffres sont tout petits. Alors, 165, 168, 702 et les A, c'est le 9. Ah non, 907, pardon. 907, parce que de 807, je l'aurais marqué s'il y avait été. C'est 907. Je peux en mettre beaucoup. Un joli vert pomme. Hop, c'est pas là, c'est la faucheraille. C'est un joli vert pomme. Alors, dans ma petite mallette où, avec les boîtes Tic Tac, j'ai des diamants ronds qui restent qui correspondent pas aux toiles que j'ai déjà faites. Que j'ai il me reste des diamants et ça doit être les diamants des toiles que j'avais eu en cadeau de la part de Margaret. Que Margaret m'avait envoyé une toile diamant painting. C'était les oiseaux sur la branche. Il y a les restes de diamants de la toile que Rachel m'avait envoyé la pensée et le papillon. Alors ensuite, on a dit qu'on avait des U. Les U, c'est. Alors les G, c'est 825. On va faire 825 pendant que je le vois. C'est les U. Voilà. J'en ai encore un ici. Là, j'en ai trois. Là. Il y a un truc qui m'échappe. Oh non, c'est un de mes cheveux. Faut que je passe l'aspirateur. Je vais faire un peu de ménage après. Parce que le matin, c'est. Après demain, je suis toute seule toute la journée. J'ai toute la journée pour faire mon ménage. Donc, quand je peux me reposer, je me repose. Bon, c'est du 825. J'avais fait les Z, il m'en reste encore à faire là. Mais je fais les G et après, je vous laisse
Je vous libère. Alors, léger. Ben, je me suis trompée. Voilà, faut que j'enlève les bleus que j'ai mis et que je les change de place. Alors là, c'est un G. Pourquoi j'ai vu que le. J'ai pas vu la bonne lettre. Là, c'est un G. Les 825, c'est la lettre G. Pas grave, on les décolle, hein. Voilà, donc, et ben, le... on va ressortir le 825 des poils de chat partout pour finir léger. Du coup, je me suis trompée de lettre. J'ai pas pris le bon numéro. Ici. Mettre mon plateau comme ça pour attraper mes diamants parce que autrement ça va pas. Là c'est encore un G. Et les U, c'est les U 38-10. C'est joli turquoise, enfin turquoise, couleur d'eau. Voilà, les U c'est fait. 38-19, je l'ai dans d'autres. Je l'ai eu sur d'autres toiles, celui-là. Alors au début que je faisais du DP, on me disait, j'avais vu sur une vidéo que les numéros DM, que ce soit diamant carré, diamant rond, les numéros DMC, c'est les mêmes numéros. Mais que les diamants ronds, c'était les mêmes couleurs que les DMC numéros carrés. Eh ben non, il y a des nuances. Il y a des différences de nuances au niveau de la couleur. Parce que j'ai comparé moi déjà. Alors, le R. J'ai un R ici. Non, j'ai pas de R. C'est quoi ça? C'est un K, pardon. 782. Je vais le mettre pendant que je le vois. C'est un joli marron café au lait. Caramel, on va dire. C'est une jolie couleur caramel. Caramel orangé, on va dire. Les E inversés, j'ai dit que c'était quoi? 301. Je viens de voir que j'en avais un là. On va faire le C ici. On va finir ce petit carré. Alors les F 37-55. Il y a des jolies couleurs, hein, franchement. Un joli bleu.
j'ai deux bleus en couleur dégradée. Alors le 33-25, c'est les Y. J'en ai pas là de ce côté. Alors 907, c'est les A, j'en ai pas. Alors là, j'ai du 165. Celui-là aussi, je l'ai. Alors, les égales, c'est les 37-71. Un joli couleur rose. C'est rose, hein? Ouais, c'est rose. De très belles couleurs. Alors, je vais essayer de commander des toiles un peu plus grandes, d'en commander moins et de prendre des toiles beaucoup plus grandes. Au-dessus du 40-30. Je le ferme, j'en ai pas d'autres. Que déjà il y aura un peu plus de couleurs et puis on verra mieux les détails. Alors, les parenthèses comme ça, c'est 436. Finis ce petit carré là, puis après je vous libère. C'est encore un couleur caramel, un peu plus foncé. Alors c'est les parenthèses comme ça. Pourquoi il y a du plastique de colis sur celui-là? Ensuite, le C 642. Alors, on va faire le C. Pour ceux qui sont ici aussi, pendant qu'on y est. Ici, on en a aussi. Voilà, donc ça, 642. Vous voyez, le 640, il est un peu plus foncé que 642, mais c'est à peu près dans les mêmes coloris. Hein. Là, je vais me commander quand je vais pouvoir là, les entonnoirs avec un lambeau rond pour les diamants ronds et l'autre pour les diamants carrés. Et là, je vais peut-être recommander sur Wish parce que quand j'ai fait mon jeu sur ma tablette, là, ils m'ont envoyé sur une pub qu'ils ont envoyé. Ils ont. Au niveau loisirs, le diamant painting, j'ai vu qu'ils avaient des mêmes tricots, ils ont des jolis trucs. Alors, on va faire le Z qui reste à faire. 640. Je
Je vais y aller y faire un tour sur Wish pour voir les prix que ça coûte, là, ce que j'ai vu ce matin, parce que. Puis, si ça y est encore le mois prochain, ben, je vais prendre le mois prochain. Alors des aides, j'en ai encore là. Donc demain, je vais perdre ma matinée, donc ça me... Après ça va, il fait pas froid quand on part le matin, donc espérons qu'il va faire beau demain, surtout, c'est surtout ça. J'en ai encore un autre, j'ai pas mis. Bon, ben voilà pour cette couleur-là. Donc ça, c'était le 640. Pardon. Donc, je ferme mon petit stylet. Je viens le mettre ici. Ma pince, je remets l'embout. Elle est tombée, ma pince, et les pointes sont tordues au ma petite colle ici. Ah, j'ai pas testé la petite colle là. Alors, on va. Prendre avec celui-là, du coup. On va tester la petite colle. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-ci. La petite colle de Delphine. Alors, faut que j'enlève le papier dessus parce que j'ai laissé le papier dessous pour éviter que ça colle à la paroi de la boîte. Voilà. Alors, on va piquer. Hop. Je sens. Non, ça sent rien. Qu'elle est quand même épaisse. Elle est un peu plus épaisse que les rouges. Regardez. Les sticks de colle rouge, vous voyez, l'épaisseur, elle n'est pas la même. La bleue est plus épaisse. Donc, là, je la referme. Je vais mettre là. Et je viens. Alors, on a dit qu'on avait les petits jets. Les petits jets. 38-35. C'est un joli mot. Allez. On teste la colle bleue. Ben c'est impeccable, hein, franchement.
Donc moi, quand j'achèterai des sticks de colle, il faudra que je prenne pour ma boîte carrée, puis pour ma boîte en forme de cœur. Donc on fait les petits jets puisqu'on est là. Hop! Là, mes toiles terminées, il va falloir que je les vernisse, que je les encolle parce que elle est brassée comme je les brasse à chaque fois que j'ai besoin de m'en servir, puis que je coupe toutes les bordures. Il n'y a que celle pour le ballon de foot là, que je ne ferai pas, parce que c'est cadeau, faut que je trouve les cadres. La braderie normande de Breteuil, les cadres en 30-30, ils n'ont pas. Ils ont en 30-40, mais ils n'ont pas en 30-30. Je ne vais pas prendre un 30-40 ou un 40-30 parce que ça sera trop grand. J'irai voir la braderie normande de Verneuil, parce que généralement, ils en ont plein, eux. Reste encore quelques-uns à mettre. Voilà, je vais pas plus loin. Donc voilà, pour la colle bleue, c'est bon, j'ai testé. Donc je referme ma pince. Je remets mes petits diamants 38-35 dans leur boîte. Ah oui, ça c'était dans ma petite poubelle. Il faudrait que je pense à la fermer avant. Voilà, je récupère mon petit aimant. Voilà, ça c'est très pratique. Franchement, c'est très pratique ces petits aimants. Franchement, je vous montre ce que j'ai fait avec vous. Voilà, pour la partie qui est déjà faite. Voilà. Alors, hop, je vais vous tourner dans l'autre sens. Vous verrez mieux. Voilà. Voilà la partie que j'ai faite. Voilà. Embêtant ce papier là. Il se met pas bien. Bon, déjà quand j'ai reçu, il était pas bien mis, hein, donc moi j'aimerais bien qu'il se mette droit.
Ah bah attendez, je vais prendre mon plateau. Parce que j'ai mes diamants, je pensais même plus. J'ai mon diamant qui s'est. Non, bah non, mais j'étais partie pour. Je vais le mettre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il n'y a pas de diamant installé. Oh ben voilà, vous voyez, la barquette elle a cassé, c'est pas grave, je vais prendre ma règle. Ah oui, il y a longtemps que je l'ai, et puis elle a tombé, elle devait être fêlée parce qu'elle est tombée. C'est pas grave, hein, on en rachètera une autre, hein. Bah mes deux grosses barquettes, elles ont cassé. Elles étaient. Une autre aussi, j'en avais une autre comme ça, une deuxième grande barquette, et puis. Elle a cassé aussi. C'est pas grave, hein. Alors, j'ai un diamant qui ne veut pas se mettre correctement. Alors. Elle est déjà un peu plus droite. Déjà plus droite ma page, ma toile, pardon. Non mais tant pis, j'ai cassé la barquette, c'est pas grave, hein. On va pas en faire un drame. Voilà, bon, ça je le remets par là, mes deux petits stylets ils sont là, mes petites boîtes je vais les mettre là, mes petits aimants aussi, le petit aimant là je vais le mettre dans ma petite boîte ici, pas le perdre. Mes petits sachets. Ah ben il y a l'autre. Voilà. Mes petits filets, je vais les mettre dans ma chambre. Ça, je vais le ranger là pour l'instant. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Hop. Je vais mettre ça par là. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Donc voilà pour cette petite vidéo. 1h30. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous souhaite de passer un agréable moment en la visionnant, suivant à quel moment vous la visionnerez. Donc je vous dis bonne soirée ou bon après-midi. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo et plein de bonnes choses. Bisous. Prenez soin de vous.